Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Belle qui vient de balancer toute la vérité sur son histoire avec Kevin. En effet, dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, la jeune femme a décidé de donner sa version des faits. Pour ceux qui veulent voir la vidéo complète, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Belle confirme avoir eu une relation avec Kevin et explique en détail tout ce qu'il s'est passé. Elle balance qu'il voulait vraiment aller plus loin avec elle et qu'il a tout fait pour qu'ils se retrouvent tous les deux. Belle révèle également qu'avant qu'ils aient une relation, Kevin est allé voir Carla dans son lit. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Ava, Nini et Tabara qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Au même temps où je vous explique tout ce qui s'est passé, il y aura des audios de ma part qui ont été envoyés à Jazz à la date du 3 juin pour compléter les informations que je vous présente, parce que je vais vraiment vous parler de A à Z, de tout ce qui s'est passé dans tous les détails possibles. Dans la bataille des clans, je remarque qu'il y a des choses ambiguës de la part de Kevin. La façon dont il me parle et surtout dont il me touche est très bizarre. Sauf que je fais abstraction parce que je me dis, non vraiment, c'est dans ma tête. Que lors de la deuxième soirée dans la bataille des clans, on fait une soirée, bref, on rentre à la maison. Et d'ailleurs, c'est la même soirée où Alan, il a pété un plan parce que je parlais avec Bastos. Bah, cette soirée-là, vers 5-6 heures du matin, quand tout le monde était déjà couché, il restait que Kevin et moi réveillés. On parlait de tout et de rien. Et en fait, il se rapprochait de plus en plus de moi. Et au fur et à mesure où il s'approchait, il était de plus en plus tactile et il me touchait de façon de plus en plus inappropriée. Parce que je remarquais que parfois, quand il me parlait, il était bizarrement tactile. Et du coup, il me touchait parfois au bas des hanches. Il frôlait des parties un peu qu'il n'est pas censé frôler de mon corps. Et du coup, bien sûr, il me dit non, non, c'est pas grave. Et on y va dans la salle de bain qui était juste à côté de ma chambre avec Noémie. Et là, c'est où il y a eu le premier bisou. Il y a eu d'autres choses aussi, mais j'en rentrerai pas en détail. Il me fait un câlin et il me dit, attends-moi ici, je vais descendre, je vais aller dans ma chambre, je vais parler à Carla. Et quand je te fais signe, tu viens en bas. Parce que j'étais dans l'étage de la JLC. Mais il voulait vraiment le faire. Genre, c'était pas une question. Il me baladait partout dans la maison. On essayait de trouver un coin où on pourrait du coup le faire. Et par suite, on est descendu les deux ensemble dans l'étage plus bas où on avait les chambres des nounous et puis les salles d'ITV. Et là, imagine, dans la salle d'ITV, il n'y avait personne. Et on rentre dans la salle de bain, dans la salle d'ITV, tout en bas. Et moi, dans ma tête, je le rassure, je dis non, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci, je n'aurai ça à personne. Et il va se coucher, il part d'abord, je pars en deuxième.